Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de l'Europe, gardez-nous, tendez-nous. C'est tout TVS qui entre la caillou avec Zami Pao, pas pour l'amitié. J'en connais déjà qui toujours un conteneur bourré d'informations pour venir partager avec vous. Gros point cap dominé l'actualité, ISO 5 secondes lui-même, t'assemblé après toute institution, l'État qui en bas menu, en parlant de palais de justice et APN nan li même tout récemment là li te prend et bien quelques jours là yo wè gros drone ISO li même kap fè contour Banque de la République d'Haïti a BRH t'assemblé ISO li même li besoin fè yon coup de filet nan BRH là commissaire gouvernement Port-au-Prince M. Jacques Lafontaine li même qui parlait des affaires ISO qui accaparait par la justice depuis un bon bout de temps. Côté lui demander ensemble avec le directeur départemental de l'OS pour accompagner lui pour lui capable de descendre en bas pour la ramasser reste dossier que ISO lui-même t'a quitté en bas. Et il dit encore dossier ISO lui-même lui pral fait poursuite lui vient ensemble avec un supplément que lui pral classé pour lui voyer devant cabinet d'inscription pour continuer à faire ISOA, lui faire révéler que te gen plainte qui déposée sous ISO depuis sous affaire policier bagay qui était passé 12 mars n'a pas entendu commissaire Lafontaine lui-même dans micro la presse qui t'a raconté qui poursuivi dossier ISOA lui-même pour le prendre ça qui gagne ouais ensemble avec chef gang toujours. Vite l'homme qui te baigne un ultimatum de 72 heures de temps. Qu'il te dit, si yon pas rejoint ensemble avec lui, en parlant de pouvoir en place là, qui gagne à faire yon en bas à régler, lui même l'a frappé pied à terre. Chef gang ça lui même qui t'a demandé pour yon réparer ensemble avec, via avec dommage que yon te causé sous business de son entreprise li, lui te dit, si yon pas rejoint ni, après 72 heures de temps lui-même l'a met pied la tête et bien choix dit choix fait hier qui était 20 juin 2022 à mesdames messieurs qui se joue examen officiel l'état qui l'élève 9e année après le subi et bien chef gang vite l'homme lui-même l'a met pied la tête dans zone Tossel ak Peigné te gen pile élève qui pas de al subi examen l'état ça n'a fait un coup de pied dans international là. Cette fois-ci, c'est dans le pays Colombie. Côté nous, élection tap organisé. Eh bien, Gustavo Petro, c'est lui-même qui remporte la mayole. Côté, c'est pour la première fois un président de gauche remporte élection dans le pays Colombie. N'a prêté sous scène internationale là. Côté nous, hier 20 juin 2022, c'était journée internationale des réfugiés. Eh bien, en pile parler en pile. T'es fait sous journée ça côté réfugiés pas suspend multiplié dans le monde et bien disposez vous confortablement dans ka quoi on a un coin tout TVS pour informer vous pour détailler tout point ça yo que nous souhaiter disposez vous confortablement dans ka quoi on a un coin tout TVS pour développer pour tout point ça yo en détail. Commissaire gouvernement Port-au-Prince lui-même mais Jacques Lafontaine lui-même il était prend micro la presse côté il était dit ISO il pas besoin peur tôt ou tard l'a privé sous lui parce que dossier ISO lui-même déjà pour le cabinet d'inscription pour faire poursuivi sur ça et après il assemblé pour attaquer ISO dans faux. Parce que le commissaire a fait connaître qu'il était écrit avec le directeur départemental de l'Ouest 1 pour lui accompagner avec des bons backups pour descendre en bas. Eh bien, nous ne savons pas s'il a tout fait un coup de pied contre ISO pour y aller balle mon pièce. Nous avons entendu le commissaire gouvernement lui-même dans le micro la presse. ISO fait un voice, mettez-le, c'est-à-dire de revendiquer ACLA. Et nous guettons. ISO, chef gang village de Dieu. ISO, mettons voix dehors, il dit Marassa, etc. Tout le monde entend, il est viral. Il revendique par audio, ça le revendique. Il dit c'est lui qui fait le même.
et nous avons verbalisé, fait retranscrit voix sous papier et fait juste de verbaliser. Et nous prenons déclaration déjà, policier qui était là, commissaire qui était là dans le moment événement, et moi-même tout, je prends déclaration, et que maintenant, nous prenons le voyer déférer l'ensemble de ces déclarations dans un procès verbal, nous prenons le déférer le cabinet d'instruction comme supplément d'information. D'accord? Je crois qu'on regarde l'article 14 du code pénal et 169 du code d'instruction criminelle. Donc, on supplément d'informations, il y a un dossier là déjà pour ISO, l'affaire de 8 ou 12 mars qui était passée là, dossier à cabinet d'instruction certainement, et m'a voulu comme supplément d'informations contre ISO et ses bandes, et ses groupes, ses acolytes. Donc maintenant, et tout ça nous sommes en météo sous forme de procès-verbaux et nous prenons le voile par devant le cabinet d'instruction comme supplément d'information et nous avons tout saisi le cabinet d'instruction. L'article 40 de la loi et portant statut et création de la magistrature de 2007 lit stipulé que le commissaire du gouvernement peut rendre public toute poursuite pénale à fait contre un monde quelconque. Donc c'est dans 4 âmes, chita sous l'article 40 loi. Pour me dire que moi, je vais voir le dossier de la cabinet d'instruction comme supplément d'information contre l'ISO et ses accords. Je ne suis pas un commissaire de police. Je le réitère pour tout le monde qui veut l'entendre. Je ne suis pas un commissaire de police, encore moins un préfet. Je suis un commissaire du gouvernement, mandaté, placé pour conduire la politique pénale du gouvernement. En cela, je ne suis pas moi-même pour me zamer dans le mal attaquer bandit. Mais bandit n'a pas le droit de citer dans ma juridiction, côté ma conduit, côté ma dirigé comme chef de juridiction. Et je mets quiconque en défi pour dire Jacques Lafontaine, est-ce que me libérer un gazam? Je prends comme dans le me libérer. Est-ce que me libérer un gars qui fait kidnapping déjà? Est-ce que me libérer un gars qui viole les gens? Est-ce que me libérer un gars qui te fait braquage, qui dit les drogues? Est-ce que me fait? Donc c'est-à-dire que c'est là que je suis capable de contribuer au problème de la sécurité publique. C'est à ce niveau seulement. Je fais poursuite pénale, je mets des dossiers en état pour moun sa yo qui est culpé de faire au prochain aller juger selon la loi pour qu'on ait la peine pour contre yo et yo juger conformément à la loi. Je n'ai pas attention sur l'opinion publique là. Que je crois que tu es arrêté qui te prend par l'ancien président le feu président Jovenel Moïse. Qui était déclaré en bas zone rouge. D'accord même? Donc, on président déclaré zone rouge, c'est extrêmement grave. Donc, aucune institution pas traité en bas encore que le parquet. D'accord? Donc, c'est-à-dire, le parquet était déjà dans l'œil du cyclone et que ça, là, il était un bagaille qui était annoncé et lamentablement que Négotabine frappait nous. Mais malheureusement, pour eux-mêmes, nous sortir la vie sauve, Dieu nous a sauvé la vie. En somme, pour une délocalisation de palais de justice sur le boulevard. Et c'est pas moi qui pour lui-même, le ministre Bertodo, c'est mon chef hiérarchique direct, l'avait annoncé lors de son intronisation comme ministre de la justice, que il pas pensé à relocalisation par les justices là. Et bien maintenant, certainement c'est l'État. Gagner des mises en place pour qu'il fête, gagner des débouts pour joindre des moyens économiques, financiers pour trouver. Donc certainement, ça prend du temps. Mais je crois que c'est encore dans le projet est dans l'esprit du ministre pour y déloger par la justice. Maintenant, j'attends. Non, de sensible qui est en bas là. Non, de sensible, nous qui t'a sensible, nous t'es mis en lien sûr. Je veux parler du dossier de Dorval, dossier du président de la République. D'accord? Donc, c'est des dossiers sensibles parmi tant d'autres. Mais il faudrait que vous parliez de plusieurs machines. Oui, c'est confirmé qu'il y a allé avec 4 machines paquets, 2 appartenant à 2 commissaires du gouvernement et 2 autres, c'est pas machines. Ancien PM Lapin et Bay et Paquet. Et puis deux autres machines, je crois, la police qui a. Effectivement, on t'a écrit d'abord depuis le 10, le jour où ces événements se sont produits au tribunal de première instance de Port-au-Prince, j'avais écrit au directeur de départemental DDOS 1 pour lui demander de prendre toutes les dispositions pour sécuriser le bâtiment logeant le tribunal de première instance de Port-au-Prince. En date du 10/06/2022, en manuscrit parce que c'était le soir,
pas gain absolument rien comme matériel de travail. De la caillement et ouais recevoir le moins. Accusé réception, d'accord? On te dit pour sécuriser bâtiment parce que de cette attaque, un gardien est sorti blessé et quatre véhicules des appartenant au substitut du commissaire du gouvernement sont encore gardés sur la cour du palais de justice. Maintenant, et deuxième correspondance adressée au directeur départemental, c'est en date du 15/06/2022. Cette correspondance est publique parce qu'elle était virale sur les réseaux sociaux. Et me demandé lui pour accompagner moi pour mal dresser constat des dégâts enregistrés et récupérer ce que je pouvais récupérer comme matériel de travail. D'accord? Et jusqu'à date, aucune réponse et pas encore ben moins. Et, mais alors, la police nationale sont institutions qui hiérarchisées, donc certainement il y a fait préparation, mise en place pour qu'ils soient capables de répondre moins par rapport à... En tout cas, n'attendons dossier ça yo, n'attendons pour suivre yo. Je ken soutade commissaire gouvernement sout palia. Moi-même ensemble avec vous, n'a pas gagné pour nous tendre. Mais moi-même qui c'est moun qui là pour informer vous, n'a pas cherché, n'a pas prêté suivre dossier ça de près et de loin pour nous capable porter bon gens éléments d'information pour vite l'homme pas bon côté pas lui-même qui était déjà annoncé après 72 heures de temps, mais qui ça li pral fait. Ça li touché attention nous en pile. Malgré chef gang nan lui-même dans tout réseau sociaux yo, nous t'a poué, li t'a parlé côté le t'a dit après 72 heures de temps qui évalué ensemble avec 3 jours qui la met pied la terre, li pral fait et les fait. Eh bien, Jean quel te dit là, li t'a fait le vrai. Le dit qui était 20 juin 2022, bonne nan matin, vite l'homme te frappé dans zone Tossel ak nan zone Peigné. Eh bien, ça t'a empêché même élève qui te gen pou yal participer nan examen l'état yo, te allé ça que ministre de l'éducation nationale la lui-même t'a pral prendre parole après ça pour te dire élève sa yo ka pa yo la considérer yo nous pas connait comment il pral fait pour permettre élève sa yo rejoindre examen ça mais il dit la considérer ka en tout cas nous pas connait ça qui pral passer mais celle ça que nous même n'a reproché soit disant nèg qui dit là que yo a assuré yo même qui à la tête l'état yo prouvé que encore une fois, yo pa gen rien qui a réglé là. C'est toutefois que chef gang nan annonce le publiquement le pral fè et yo quitte le, yo bal tout boulevard pour le faire. Ça qu'il dit le pral fè. Eh bien, nous est très bien. Nous pa gen aucune autorité ici qui a fait rien. N'était-ce pas? C'est pas bonne foi chef gang yo pour ta dire marcher sous population ça pour faire ça yo vle. Eh bien, pas d'ab gen ken moun ki t'ap kanpe pour empêcher ki yo fè sa yo vle, sa yo pipito. Nan peyi Colombie, élection ki te organisé, eh bien, te permet Gustavo Petro lui-même remporter la victoire dans l'élection Sayo et bien dimanche qui était 19 juin 2022 et bien Gustavo Petro lui-même t'a pral élu comme président dans pays Colombie ancien sénateur 62 ans t'a pral remporter élection yo avec 50,44% de l'autre côté nous t'a pral wè vice-président Francia Marquez lui-même qui c'est yon femme afro-colombienne lui-même, c'est lui-même qui choisit comme vice-président pour mener gouvernement ça ensemble avec Gustavo Petro. Eh bien, dans le discours qu'il a fait,
Après, tu pral permettre colombien yo même t'es content, t'es joyeux si tout yon franche nan population colombienne nan qui c'est noir yo même qui t'es continuer manifester contentement yo à travers élection ça que yo rapporté. Nous pral faire ouais comment population colombienne nan lui-même li t'es content, comment li t'a manifesté joie après que yo t'a remporté élection 19 juin 2022 à mesdames messieurs. Mesdames, messieurs, c'est comme ça que ça a été fait dans le pays Colombie. Lundi 21 juin 2022, c'était journée internationale des réfugiés. Espérons faire connaître plus de 100 millions de réfugiés dans le monde. Ils estiment encore que la guerre, la Russie, Ukraine, a plus de réfugiés que ça qui a été gagné dans la deuxième guerre mondiale. Ils voient que environ 100 millions de réfugiés après la guerre, là aussi, Ukraine a éclaté. Ils ont augmenté sur un total de 89 millions de réfugiés qui ont gagné dans le monde déjà. Parmi eux, 40% là-dedans, c'est Timoun qui, plus ou moins, a cherché à quitter le pays ou bien communauté que you a évolué. N'a pas rappelé que les quantités réfugiés ça yo, ça qui provoque yo, sous question de guerre, c'est la pauvreté, c'est la misère côté moun a chercher moyen pour yo déplacer, aller chercher côté la vie fait coin pour yo. Nous tout autant guerre a éclaté dans le monde là, eh bien, moun qui nan espace qui gen turbulence, qui la guerre en lui-même a fait là, yo obligé de déplacer des frères, yo déplacer par force, eh bien, c'est bagay sa yo qui pas suspend faire réfugier triboy pa bon dans le monde là a traverser différents pays à l'autre pour yo al chercher côté qui gagne stabilité. Eh bien, nous pour le faire comment un pile réfugié lui-même tap quitté pays Ukraine par rapport ensemble avec guerre ça qui éclaté dans début février 2022 à mesdames messieurs. C'était comme ça, ça te y. Gen grande mobilisation kap fait pour comment que international la li même ta suspend pour affaire réfugié dans le monde. Mais est-ce que ap gen mesure qui pour permettre que chaque monde vive dans pays avec toute tranquillité pour gen moyen pour yo manger, pour yo suspendre réfugiés à travers le monde. En tout cas, nous connaissons, c'est un monde inégalité qui nous vive, c'est un monde côté, c'est une turbulence, c'est la guerre partout. Est-ce que j'aime bien abgé mesure pour la paix établie dans le monde, pour empêcher réfugiés eux-mêmes, yo migrer partout et ailleurs. C'était tout point ça yo que nous te pote pour n'a mande yo rete connecté avec nous avec Chanel Café Créole Magazine. Et bien tout TVS toujours là pour informer de tout ça qui a passé, de tout ça qui a fait actualité. Pas oublier abonner, partager et like vidéo nous pour pas rater aucune notification.